Et depuis ce matin, les autres candidats aux élections législatives défilent en préfecture pour déposer leur candidature. Dominique Barr, Bernard Roman et Alain Bocquet sont arrivés les premiers ce matin pour déposer leur dossier. Dominique Barr maintient donc sa candidature malgré le refus du PS de lui accorder l'investiture officielle suite aux accords passés avec les Verts. Gilles Pargneau, premier secrétaire de la Fédération du Nord du Parti Socialiste, a d'ailleurs déclaré que Dominique Barr serait exclu du PS dès ce soir pour ne pas avoir respecté cet engagement. Quant aux autres candidats, ils ont jusqu'à ce vendredi 18 pour se déclarer officiellement. Pierre Beauvilain a rencontré Dominique Barr qui revient sur la légitimité de sa candidature. Je souhaite maintenir ma candidature parce que je pense que et ce combat est juste. J'ai fait le job, j'ai fait le boulot de parlementaire, j'ai représenté la population et les électeurs de la circonscription et donc je maintiens cette candidature avec Richard Elzaski, mon suppléant. Membre de la majorité municipale de Roubaix et à ce jour, je ne puis me présenter guère que comme divers gauche, à gauche, mais pour une majorité claire et fidèle à François Hollande.